très bien, on va encore en mettre. Et ça va faire des plantes, en fait, des grenades. Quand elles tombent, en fait, elles ont, je crois que c'est un 20% de chance de tomber, faire des explosions et mettre du feu. Donc, du coup, pour éviter que quelqu'un, en fait, vienne et prenne un extincteur et tout ça, et éteigne le feu tout le temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une pompe à l'envers, donc une pompe au-dessus, là, juste au-dessus du personnage, qui va pomper de l'eau quand ça détecte du feu. Et une fois qu'on détecte plus de feu, ça va s'arrêter. Et cette pompe-là va s'activer pour pomper l'eau en dehors du bâtiment. Vous voyez? Et j'ai fait un truc comme ça. Donc c'est une salle en fait qui est automatique et qui travaille seule en fait. Donc si jamais il y a un feu à l'intérieur ou quoi que ce soit, ou une explosion à cause des plantes, et ben on risque rien, ça va s'éteindre automatiquement et l'eau va s'enlever automatiquement. Donc par exemple voilà, ça enlève du travail en fait pour l'équipe. Voilà, donc ça c'est par exemple c'est des choses que vous pouvez faire. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai fait. Après, vous inquiétez pas qu'il y a 3 milliards de personnes qui ont déjà fait la même chose avant moi. Hein. Mais je l'ai cherché tout seul et je l'ai fait tout seul. Mais si je le faisais pas, si je mettais pas de recherche en fait là-dedans, de temps et d'heures dedans, et ben du coup on pourrait pas le faire. Enfin, il n'existerait pas ce système. Et du coup, ça rendrait le sous-marin un peu plus compliqué en fait à naviguer. Parce qu'à chaque fois, il faudrait par exemple aller éteindre le feu et tout ça. Donc plus vous passez du temps en fait à faire des choses, plus vous créez des choses originales ou pas, ou même des tests, plus ça va vous aider en fait dans votre aventure, dans la campagne en fait. Et vous pouvez faire des choses plutôt sympas et à plusieurs, c'est ça qui est cool, c'est vraiment ça qui est intéressant. Donc encore une fois, mes trois portes, vous voyez que le sas en haut il reste ouvert. Si on appuie là, hop, il se ferme automatiquement celui d'en haut, et là je peux ouvrir là. Si jamais je veux ouvrir en haut, pareil, ça se ferme ici, la pompe elle s'active, et hop, on peut ouvrir maintenant. Et il y a plein de petites choses comme ça, et c'est ça qui est bien, qui est intéressant, c'est de se dire que bah, c'est moi qui l'ai fait, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est cool, c'est comme, encore une fois, Oxygen Not Included, où vous passez des heures et des heures à crafter des choses, à construire des choses qui vont fonctionner ou pas, et après vous améliorez les choses au fur et à mesure. Vous voyez que la charge de la batterie elle est à 100% parce que j'ai écrit sur l'ordinateur 100%. Ouais. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Après on peut retour à l'éditeur. Donc ça c'était la génération 2 que j'avais faite, c'était pour de l'exploration, donc il n'a pas trop d'armes. Et après je suis parti sur un truc un peu plus compliqué. Et un peu plus gros, donc ça c'est la version attaque génération 3, et j'avais rajouté pas mal de choses. Déjà il est un peu plus loin à charger, donc voilà, ça il est un peu plus gros, il est un peu plus comac déjà, beaucoup plus gros générateur aussi, beaucoup plus de câblage, beaucoup plus d'armes. Donc par exemple à l'avant il a le canon électrique et deux Gatling en même temps, vous avez des Gatling aussi au dessus donc un peu plus grand. Mais le problème, c'est que ce qui est marrant, c'est que plus grand ne veut pas dire que c'est plus facile, parce que en fait vous allez aller dans des parfois dans des grottes qui sont très très exiguës et tout ça, et vous pouvez pas y aller. Et du coup ce que j'ai fait, bah là j'ai mis en fait une navette que j'ai créée moi-même. Je peux vous la montrer, je crois que c'est ça là, je peux vous la montrer. Et après j'ai mis les deux ensemble, je vais vous montrer ça. Donc ça c'est ma petite navette, elle est toute petite. Elle peut transporter une mine, et elle a des armes aussi. Alors ce que j'ai fait, c'est marrant, c'est une sorte de transformer en fait. Donc ces armes là, de l'intérieur de la navette, vous pouvez pas les utiliser. Le moyen de les utiliser en fait, c'est qu'il faut être dans le sous-marin lui-même principal. Et en fait, vu que ce sous-marin principal n'a pas d'armes en dessous, si on regarde, il n'a pas d'armes en fait, pointé vers le bas, il n'y a que un truc à l'arrière, voilà, il n'y a que un laser à l'arrière. Mais là en fait, si on nous attaque d'en dessous, bah, on est dans la merde. Et bien du coup en fait, c'est la navette qui va permettre d'utiliser les deux canons aspire. Et c'est là que vous les utilisez en fait, les canons aspire, vous voyez. Et si jamais il n'y a pas la navette, bah, du coup bah, le dessous du sous-marin, et bah, il est un peu exposé on va dire. Donc ça c'est un problème. On va tester. Je vais vous montrer un peu. Donc là, il est un peu plus... Ouais, il est un peu plus... abouti, on va dire, celui-là. Et après, j'ai refait pareil. Donc je crois qu'on a encore un système de lumière on, lumière off. Ouais, je crois qu'on a, plus ou moins la même chose. Donc génération Gen3A. Ouais, on a la même chose pour celui-là. Par contre, il y a un peu plus de... comment dire, de choses automatisées et d'informations. Donc ça c'est encore une fois, ça c'est la batterie, on va le mettre, non t'assois pas, mettre à 100, ça augmentera plus vite.
On a ça, donc ça c'est la batterie, ça c'est la chaleur du générateur, température, il y a écrit maintenant. Et c'est vert, ça clignote vert, donc ça veut dire que le truc est allumé et il est dans le vert, donc ça va, il marche bien. Si jamais il monte trop haut, alors attendez, on va vous montrer ça. Hop là. Alors, contrôle automatique, on est comme ça au max. Voilà, très bien. Vous voyez que... Ah, oui, il y a la sécurité aussi. Oui, mais les mecs... Attendez. je sais pas si je vais pouvoir le montrer. Je sais plus ce qu'il faut faire. Faut faire quoi? Attendre. Parce qu'en fait, les mecs vont automatiquement bien le mettre. Et moi aussi, en fait, quand je change de personnage, on va faire attendre. Donc, on va faire ça. Genre, contrôle automatique. Hop. Enfin, quoique, en fait, non. Il faudrait plus de... Yes, très bien. Vous voyez qu'il y a toutes les choses qui commencent à brûler. Très bien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ah ! Ah, il est plus en critique. Il est plus en critique. J'ai fait... Oh, attendez, on va faire retour à l'éditeur et tout ça. Bon, c'est pas grave. En gros, la lumière va juste être rouge s'il est en critique. Et après, ce que j'ai fait aussi, parce que c'est pour ça que le générateur en fait est très difficile à surchauffer, c'est que j'ai mis une sécurité. En gros, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein, vous pouvez juste le câbler, genre mettre une sortie et basta, c'est tout. Mais après, moi j'ai fait beaucoup de câblage, genre afficher les textes pour les informations par rapport au générateur. Et après, en fait, si jamais il y a une alerte fusion, il va arrêter le générateur automatiquement. Vous voyez que même ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous le faites, ben voilà, vous avez une sécurité, comme quoi, si jamais il y a quelqu'un qui essaye de surcharger votre générateur, ou alors si jamais il y a un problème avec ça, et ben il va s'éteindre en fait automatiquement. Donc voilà, donc du coup, oui, c'est un peu compliqué, on va dire, de le surcharger et de vous le montrer. Après, j'avais fait un système de bobine électrique en fait activé. C'est-à-dire que les bobines électriques, c'est en dehors du sous-marin. Je peux vous montrer ça. Alors on va risquer de se faire électrocuter, mais ça va être marrant. Attendez, on va prendre ça, un scooter. D'abord, on va se mettre en... Non, là. Pilote automatique, ici, très bien. On va mettre le sonar, parce que pourquoi pas. Voilà. Et on a le scooter. Ça aussi, j'ai fait un sas vraiment comme comment ça marche en vrai. C'est-à-dire que par exemple, si c'est vert, ça veut dire que c'est vide. Donc là, on peut ouvrir la porte. Si jamais il y a de l'eau, ça va d'abord la vider, puis après vous pourrez ouvrir. Donc là, pareil, vous êtes obligé de fermer la porte. Et là, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut que le sas soit rempli à 100% d'eau. C'est pour ça qu'il y a un chiffre en dessous. Donc là, vous activez la pompe qui va remplir, ça c'est le pourcentage d'eau qu'il y a. Vous allez voir, vous êtes en jaune. Et puis après, là, vous êtes en rouge. En rouge, ça veut dire que vous pouvez sortir, en fait. En gros, que la salle est pleine d'eau. Donc hop, et là, ça marche. Vous voyez, vous pouvez faire des trucs vraiment, vraiment sympas comme ça. Après, ce système en multijoueur est un peu embêtant parce que, on va dire qu'avec la désynchronisation, les lags et tout ça, des fois... vu que c'est très précis, il faut que ça soit genre 100%, si c'est à 99 ça ne marche pas et tout. On va dire que ça crée un peu des problèmes en multijoueur, mais sinon après en solo, ce système là est vraiment cool. Donc là si j'approche de la bobine, voilà. La bobine en fait s'active automatiquement. Et ça aussi c'est un système que j'ai fait avec un détecteur de mouvement. Et là par contre je suis juste au-dessus, donc je pense que je vais me faire stun en boucle. Tant qu'il y a de la batterie. La batterie au bout d'un moment elle met du temps en fait à se remplir. Voilà, c'est celle-là. Celle des bobines. Donc vous voyez qu'elle se charge assez lentement. Donc du coup on devrait être bon pour sortir. Hop là. On ferme la porte. Donc celle-là comme j'ai dit on peut pas l'ouvrir. Donc il faut faire ça. Voilà. Là ça enlève l'eau. Et une fois que c'est à zéro. Voilà, c'est vert. On peut ouvrir. Vous voyez, vraiment cool ce système, vraiment vraiment cool. Si jamais je mets l'eau, je crois que cette porte va se fermer automatiquement. Ouais, voilà, je peux faire en fait directement ça, et ça va se fermer automatiquement. Après, il y a des petites choses, si ça le fait là, genre si j'essaye d'ouvrir la porte.
Non, non, si j'essaye d'ouvrir la porte, ça marche tout simplement pas. Je sais qu'en multijoueur, des fois, la porte, en fait, va s'ouvrir pendant une fraction de seconde, ce qui va baisser l'eau, genre à 99%, et qui va un peu être embêtant, donc du coup, il faut appuyer sur ce bouton, il faut que ça se vide, puis ça se remplisse à nouveau. Ouais, c'est des choses, à tester donc en solo, puis après, c'est des choses à tester en multijoueur, parce qu'encore une fois, Internet, les lags, quoi. On peut mettre ça là. Ça aussi, je les ai câblés. Parce que de base, en fait, ça va pas en fait remplir les bouteilles d'oxygène des tenues ou alors remplir les bouteilles d'oxygène en bas automatiquement. Donc vous pouvez en fait le faire manuellement, c'est-à-dire aller. Je crois que c'est là. Je crois que c'est juste en dessous. Aller par exemple au. Comment ça s'appelle ? Le générateur d'oxygène et mettre des bouteilles ici pour les remplir. Ou alors vous câblez tout le bordel. Bien sûr, vous faites chier un peu à câbler, mais en contrepartie, bah, du coup, vous n'aurez pas à remplir les bouteilles d'oxygène vous-même. Donc voilà, ça c'est plutôt la bonne chose. Comme j'ai dit, à chaque fois que vous faites, en fait, vous construisez quelque chose et vous passez des heures à chercher, et ben du coup, vous avez une récompense. Et ça, c'est la navette, par exemple. Ça, c'est la navette que j'ai faite. Je sais plus trop comment elle fonctionne, on va voir. Ah, très bien, on ferme là, donc la navette, il faut activer ça, activer la batterie, parce que la navette, elle marche sur batterie, les batteries, on peut les voir là sur le côté, elles sont derrière la caisse. Et là, du coup, je peux me détacher. Hop là, ah, très bien. Ne vous inquiétez pas, l'alarme, c'est parce qu'il y a eu un peu d'eau, en fait, pendant que ça s'est fermé, il y a eu un peu d'eau qui est rentrée dans le sous-marin, mais c'est tout. Hop là. Voilà, et maintenant elle est complètement détachée du sous-marin principal. Donc on va se mettre en stand-by par exemple. Voilà, très bien. Et après je peux changer de là. Ce que je peux faire en dessous, donc en dessous c'est pour la navette. Donc là je peux utiliser les armes de la navette. Donc ça c'est les armes de la navette, pas du sous-marin principal. Et après ce que je peux faire aussi, c'est que la personne qui est là, elle peut donc désactiver ce poste de contrôle, parce que si vous avez deux postes de contrôle activés en même temps, en fait ça fonctionne pas. Donc on peut désactiver celui-là, et moi je vais activer le mien. Donc ça c'est la batterie, donc je peux voir aussi la batterie qu'il y a dans le sous-marin, enfin dans la navette. Donc si je vois qu'elle commence à être basse, bah le mieux c'est de rentrer, parce qu'elle va se recharger en fait quand elle est à quai avec le sous-marin principal. Et là je peux manier la navette moi-même. Alors, attendez, c'est parce qu'elle est un peu proche, on va encore la rebaisser. Pour bien vous montrer, voilà. Vous voyez, là c'est moi qui fais fonctionner la navette depuis le sous-marin principal. Donc on va se reposter. Aussi un truc, vu que la navette elle a des batteries limitées, j'ai fait en sorte que il n'y a pas de générateur d'oxygène. Donc du coup il faudrait y aller avec une... Oups, j'ai loupé. Faudrait y aller avec une combinaison et des bonbonnes. Voilà, très bien. Donc là, elle est accostée. Et vous voyez qu'on est bon. On est de retour au sous-marin principal. Vous voyez, plein de petits trucs comme ça à faire. Vraiment, vraiment plein de choses à faire. Vraiment cool. Qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Ah oui, il y a ça aussi. Alors normalement quand vous prenez par exemple un périscope en fait, ça, attendez, il faut allumer les lumières. Si vous prenez un périscope en fait, la plupart du temps, si c'est un périscope juste avec une lumière et juste pour regarder, pas une arme, hein, je parle pas d'une arme, vous pouvez pas en fait passer d'une vue à une autre. Mais, et ça c'était compliqué à faire, je l'ai trouvé sur internet, c'était un peu compliqué à faire. Sur celui-là j'ai fait en sorte qu'à chaque clic en fait ça va changer la vue. Attendez, par contre, il faut allumer la lumière qui est là, je crois bien. Ouais, c'est ça. Et à chaque clic, en fait, je vais passer d'une vue à une autre tout autour du sous-marin. Vraiment, vraiment sympa, ce truc-là. C'était compliqué, compliqué, compliqué à faire. Mais c'était plutôt sympa. Si on se remet sur retour à l'éditeur, je peux vous montrer le câblage vite fait. Ah, oh, la vidéo, elle va être 40 minutes, quoi. Mais bon, c'est pour ceux qui sont curieux. Par exemple, le câblage pour ça, c'était... Bah, c'est ça, je crois. C'est tous les différents signaux, en fait, si je dis pas de bêtises.
Composant retard, composant relais. Ah non, peut-être que je l'ai mis. Non, je l'ai mis là. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est tout ça. Les composants signal et système et tout ça, c'est pour l'ordinateur. C'est pour avoir les différentes commandes. C'est pour avoir les différentes commandes. Genre, par exemple, si on prend cette commande. Voilà, lumière off, donc ça c'est pour la lumière off, et ça va faire en sorte de d'éteindre en fait un des relais qui alimente toutes les lumières. Je crois que les lumières, je les ai mis là, je crois. Enfin, je me rappelle plus vraiment. Et après, pour les différentes vues, donc genre par exemple, genre la caméra ici, projecteur là, projecteur ici, tout ça. C'est tout ça qui gère. C'est très compliqué. Il y a beaucoup. C'est un peu le bordel en fait quand vous regardez là, ça se chevauche et tout. Mais après, c'est dans le mur. Donc vous voyez strictement rien. Donc c'est pas un problème. Mais c'est un bordel monstre à faire. Et je le conseille pas. Mais ça marche super bien. Ça marche super bien. Ça marche vraiment cool. Pareil pour ça. Donc ce système là, c'est moi qui l'ai créé. Je me suis un peu aidé de différentes idées. Mais en fait, personne faisait exactement ce que je voulais moi. Et ça m'a pris, je sais pas, genre une semaine. Genre à faire 1 ou 2 heures toutes les après-midi. Genre pendant une semaine. Pour vraiment trouver un truc qui fonctionnait. Et ce qui est sympa, c'est que si vous construisez des choses, en fait, vous allez dans l'assemblage et vous pouvez assembler vos propres choses. Donc, par exemple, le sas sécurisé là, avec lumière. Voilà, je l'ai fait par défaut. Je l'ai fait comme ça. Et après, je peux le placer directement en fait dans mon. Là, je l'ai. En fait, je l'ai. Quand je l'ai créé, c'était un bordel monstre avec les câbles un peu partout et tout ça. Après, une fois qu'il fonctionnait vraiment comme je voulais, j'ai tout bien mis propre. Donc voilà, là c'est un sas quand même assez propre avec les différentes lumières et tout. Le sens aussi, où il faut le prendre. Et après, une fois que vous avez ça, pardon, vous pouvez le mettre en fait plus ou moins partout. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir en fait le sens donc pour ce sas-là. Donc là, vous allez de gauche à droite, mais là, il fallait aller de droite à gauche. Donc il fallait inverser pas mal de choses par rapport au port, par rapport au bouton et tout ça. Donc après, vous faites un peu ce que vous voulez. Là, par exemple, c'est de droite à gauche, mais ça monte. Et là, par exemple, c'est de gauche à droite, mais ça descend. Ouais, faut à chaque fois changer les petites choses comme ça. Étagère câblée aussi, pareil. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Le périscope qui change de vue. Donc ça, c'est le bordel du périscope. Donc voilà, en gros, c'est ça. c'est un bordel monde, mais bon, je me suis mis des étiquettes et tout pour me rappeler différentes choses. Qu'est-ce qu'on a aussi? On avait des... Il y avait aussi, il y a l'alarme Wi-Fi. Parce que vous allez avoir, vous voulez en fait des alarmes aussi dans votre sous-marin pour vous dire si jamais il y a une fuite, si jamais il y a du feu et tout ça. Donc du coup, il faut aussi câbler ça. Et je crois que le Wi-Fi, je l'ai placé quelque part ici. Ça, c'est une alarme. Ça, c'est une alarme. Il est où le signal Wi-Fi? Il est derrière tout ça? Il est derrière tout ce bordel, je crois. Fil. Enfin bref, il doit être quelque part par là. Ah, quoique non. Quoique non, il est là. Il est là. Le mécanisme principal du Wi-Fi est là. Si je dis pas de bêtises. Et ça va vous donner. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le principe. C'est le principal du Wi-Fi. Donc, c'est-à-dire que tout ça, en fait, va être relayé là. Donc, si jamais les détecteurs, en fait, si vous voyez, si à chaque fois, c'est détecteur de fumée, détecteur d'eau, etc., etc. Donc, si jamais ces composants, en fait, détectent quelque chose d'anormal, ça va envoyer un signal Wi-Fi à différents récepteurs Wi-Fi. Qui sont reliés à des alarmes. Donc du coup, ça va faire clignoter, ça va faire du son en même temps. Donc voilà, c'est ça aussi. Là, je sais plus exactement. Ah oui, ça, j'avais fait un test avec un code couleur. Donc c'est ça, en fait, c'est pour la température. Genre, rien que pour changer, pour dire que quand le générateur est allumé, que ça clignote vert, puis après, s'il en surcharge, ça clignote rouge, et après, ça s'éteint, et après, ça se rallume, et tout ça. Voilà, tout ça. Bordel monstre, bordel monstre. Après, il y a sûrement des façons plus simples de faire, mais pour moi, c'était un peu un bordel monstre. Mais bon, ça fonctionne, donc tant mieux. C'est toujours comme ça. Tant que ça fonctionne, c'est bien.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, non, on a des trucs cool. On a des trucs vraiment cool. Vous voyez que là, ça peut des fois être un bordel monstre, en fait. Mais après, on cache tout ça derrière les murs. Donc, ça va. Mais c'est vrai que des fois, ça peut être un bordel monstre. Mais ouais. Je pense que ça sera tout. Après, je peux vous montrer ce que je suis en train de faire. Donc, c'est une variante, en fait. Je voudrais le faire... sans avoir une petite navette en plus, par exemple. Et je voudrais avoir des petits drones que j'ai testés. Des sortes de petits drones, donc il faut miniaturiser en fait les choses, qui vont se recharger quand ils sont ancrés en fait au sous-marin principal. Et après qu'on peut utiliser depuis là, par exemple, le terminal de navigation de navette. Et les envoyer en fait, genre dans les crevasses et tout ça, voir s'il y a des bestioles et tout. Et du coup voilà, c'est pour ça, donc on en aurait 3. Et après ici, je voudrais faire une sorte de... pas de missile. Torpille, voilà, putain, j'ai oublié les noms, moi. De torpille téléguidée qui sera commandée ici. Et on pourra faire péter genre des ogives nucléaires et tout ça. À distance, donc ça serait cool. Voilà. Et après, je voudrais faire une sorte de... C'est pour ça que je l'ai appelé Bélier. Parce que je voudrais que ça électrocute, en fait, quand ça on fond sur quelque chose. Voilà, c'est juste des trucs pour voir si ça marche. Après, si ça marche pas, c'est pas grave. Mais le... Voilà, c'est pour faire, en fait, des sous-marins assez différents. Et ne pas faire des trucs OP. Parce que, honnêtement, à chaque fois, vous pouvez faire des trucs complètement OP avec des canons tout autour, par exemple. Sans angle mort. Là, il y en a déjà beaucoup, en fait, de canons. On a 2 Gatling ici, 2 Gatling là. Après, on a le canon principal là. Et après, en dessous, je vais faire aussi 2 lasers si je peux. Mais bon, pour le moment, c'est encore en progression, on va dire. Mais du coup, plus je mets d'armes, plus ça va consommer, plus il me faut de l'énergie, plus il me faut du câblage, plus il y a de risque de surchauffe et tout ça. Aussi, je voudrais mettre 2 moteurs puissants, voir ce que ça peut donner. Et après, bien sûr, il y a aussi les... toutes les informations que vous pouvez changer, par exemple la puissance maximum du moteur, vous pouvez le mettre à 3000 si vous voulez. Le truc ira extrêmement vite, ça sera complètement OP et pété, mais c'est pas fun, c'est pas ça le fun. Moi je veux garder les choses de base, comment il a été programmé de base, et après j'en mettrai 2. Quitte à me demander plus d'énergie à fournir pour les 2 générateurs. Ouais, c'est un peu ça le truc, c'est un peu d'essayer de faire un peu de roleplay par rapport à ça. Et de avoir du fun, quoi. Avoir du fun. Donc ça, c'est le prochain sous-marin que je suis en train de faire. Mais ouais, ça peut être sympathique. Ça peut vraiment, vraiment être sympathique. Mais voilà, ça sera tout pour cette vidéo qui fait 46 minutes maintenant. Je sais pas ce que je vais en foutre de cette vidéo de 46 minutes. On va voir. Peut-être la couper en 2. Mais ouais, Barreau Trauma, je conseille vraiment... très bon jeu, très bon jeu. Après là j'ai vraiment montré la partie construction, on va dire, mais c'est vraiment fun, c'est vraiment fun. Si vous aimez passer des heures et des heures tout ça là-dedans, c'est vraiment cool. Après je conseille quand même d'avoir des gens avec qui jouer, parce que sinon après oui, vous pouvez aller naviguer les serveurs, vous allez trouver des gens, hein, mais la plupart du temps c'est des anglais. Après il y a beaucoup de gens dessus, hein, honnêtement c'est un très bon jeu, hein. Donc vous pouvez voir pour trouver des gens, mais ouais, c'est un peu comme vous voulez, mais le mieux reste de trouver des gens avec qui jouer, que vous connaissez. Là ça va être fun. Et si jamais vous avez une personne comme par exemple moi qui construit des sous-marins, je pense que c'est encore mieux. Je crois que ça rajoute en fait quelque chose, que moi par exemple je joue avec plus ou moins toujours les mêmes en fait sur ce jeu là, et à chaque fois ils me disaient ouais ça serait bien d'avoir ça, ça serait bien d'avoir ça, est-ce qu'on pourrait genre avoir une serre automatique ou un truc de défense machin et tout, et après moi je me disais ah, tiens comment on peut faire ça, comment on peut créer leurs demandes en fait, et c'est plutôt cool. Enfin moi j'aime bien éditer et tout ça, moi je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, pour moi c'était fun, c'était encore plus fun, et après en jeu c'était plus fun de voir les gens en fait s'amuser avec ce que j'avais créé, en disant ouais tiens ça marche, ça c'est cool, je me mets au canon et tout, ça marche très bien, voilà, c'était vraiment sympa. Ou des fois me faire gueuler dessus en disant ouais c'est de la merde ton truc, ça marche pas, ça lag et tout, voilà, mais c'est fun, c'est vraiment fun, vraiment cool le jeu. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé, et à la prochaine, portez-vous bien, et regardez ce jeu, il est en bêta, il est souvent à moins 50% ou moins 70%, donc vraiment il est pour quelques euros, ça vaut vraiment le coup. Voilà, à la prochaine, ciao.